précédemment dans Comment devenir maître du monde. Je me suis dit que je pouvais peut-être aller m'incarner là-bas, sur leur petite planète à la con, et trouver le colonel pour lui remonter les bretelles. Ouais. Je suis pas persuadé que ce soit... Ouais, j'en étais sûr. T'inquiète, pas grave. Toujours la même chose ici, de toute façon. Alors. Non, mais c'est pas que j'ai pas confiance, Jésus, mais enfin, la dernière fois que tu t'es incarné, ça s'est pas très bien fini, si je me souviens bien. Nous avons appréhendé cet individu, monsieur... Jésus. Monsieur Jésus, alors qu'il provoquait du tapage sur le marché de Brive-la-Gaillarde et s'apprêtait à molester d'honnêtes commerçants. Honnête. Ne dites rien, mon chou. Ne dites rien. Et qui vous dit que ce ne sont pas les commerçants qui l'ont provoqué ? Ça, c'est vrai. Il trafiquait du foie gras à deux pas de l'église. Il y en avait même qui vendaient du chichon. Papa a toujours dit que c'était interdit dans sa maison. Taisez-vous, Jésus. Sa maison ? Bah oui, ça déconne pas dans la maison de mon père. Pourquoi ? C'est qui votre père ? Eh bien, Dieu, quoi. J'aime pas trop me vanter, mais je suis le fils de Dieu quand même. Oui, passez-moi la DGSE, s'il vous plaît. J'ai un cas de radicalisation à signaler. Cette fois, nous l'attendons. Il a dû être emporté par les courants pour se retrouver si loin. Mais de quoi diable parlez-vous ? Maître réplicateur, enfin, colonel. L'oracle de votre machin-chose est pourtant très clair, transparent même. Ça veut dire que l'appareil se trouve dans les égouts de Romorantin. Oui. Je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont fini par le localiser. Avec les doigts ? Oui, c'est possible. En tout cas, ils sont partis là-bas. Eh bien, ma patronne aussi, figure-toi. Ah bon ? Comme je te le dis, avec les deux autres zigotos. Les agents secrets ? Oui, c'est Wichef qui les a envoyés là-bas. Il a dit qu'il serait pas trop de trois pour récupérer l'appareil. Tous ces gens sont plus cons que nature, vous l'avez compris. Mais pas autant que moi, Aristide Cabillaud est le grand collecteur. Le grand maître de la secte des égoutiers, le grand porteur de majuscules en tout genre. Et il le restera aussi longtemps qu'on n'aura pas trouvé plus grand que moi. Et je vais vous dire, c'est pas demain la veille. Qu'est-ce que t'as pris, toi ? Picon margarita, c'est pas dégueu. Et toi ? Une bière maltée au lait. Ça, c'est franchement dégueu. Ouais. Redis-moi un peu cette histoire d'énergie trouble, là. Je suis pas sûr d'avoir tout compris. Je suis pas sûr non plus. À ce qui se dit, c'est le truc, là, le machin avec les doigts, là, qui dégage les ondes. Ou des vapeurs, ou du... Des ondes ou des vapeurs ? C'est pas pareil, quand même. Mais je sais pas, moi. Si tu crois que c'est facile à comprendre, c'est l'autre cinglé, là, professeur bizarre. Il a dit que si on récupère pas un machin rapidement, l'énergie trouble va envahir le monde entier. Ah bon ? Carrément. Bah ouais. Mais va savoir. Avec ce qu'il picole, le gars. Écoute, Ruf, je sais pas si c'est vraiment sérieux tout ça. Mais dans le doute, je pense qu'il faudrait unir nos forces. Pour ? Pour les aider. T'imagines, ça pourrait bien être la fin du monde, cette histoire d'énergie trouble. Ouais, peut-être bien. Mais en attendant la fin du monde, je reprendrai bien un picon margarita à moi. T'as raison. Moi aussi. L'inaudible présente Comment devenir maître du monde en 10 leçons. Ou pas. Une série webophonique de Walter Proof. Avec Laurent Doucet, Monsieur Obi, Peggy, Phil Good, Blast, Kenton, Phileas, Mr. Jones et Cosmo. Livre 3, la douille dans le cottage. Leçon 7, en eau trouble, tu nageras. Et moi je vous dis que si vous me refusez l'entrée de cette cellule, je fais un rapport FIFA au garde des sceaux et des pelles et vous pourrez dire adieu à votre boulot. Non mais des fois, et les droits de la défense alors, c'est du papier en croûte ? Salut, gamin. Bonjour, madame. Pas de madame entre nous. Appelle-moi Titi. Je suis ton avocate ou pas ? Vraiment ? Mais évidemment, j'ai été comique d'office. Ça se voit pas ? Ben... C'est la globale qui paye mes frais vu que je suis actionnaire. Mais je suis libre de choisir mes clients. Et là, mon client, c'est toi. On est OK ? Oui, madame. Appelle-moi Titine, je t'ai dit. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle. T'as été condamné à 52 ans de prison pour radicalisation radicale. Non. Si, c'est ton impresario qui t'a dénoncé. Judas ? Oui,
Je t'avais prévenu de ne pas faire confiance à n'importe qui. Il s'est déballonné au premier interrogatoire. Ah, moi qui pensais sortir d'ici pour Pâques, c'est mal barré, j'ai l'impression. Mais heureusement, qui c'est qui est là ? Qui c'est qui est là ? Bah, Titine, évidemment. Évidemment. Parce que la Titine, je te ferai dire, c'est pas la dernière des andouilles. Elle connaît les bons tuyaux. Non, mais ça, c'est Huggy, les bons tuyaux. Qui ça ? Non, rien, juste un disciple à moi que j'avais dans le temps. Quoi qu'il en soit, j'ai tiré quelques sonnettes, frappé à quelques portes, passé quelques coups de bigorneau et j'ai fini par mettre la main sur une pointure de première bourre qui va te sortir du pétrin à moins de deux. Ah bon ? Et qui ça ? Attends, je te montre. C'est quoi ? C'est une app sur mon téléphone, ça fait un direct live holographique, comme du direct, mais live. Ça ressemble à rien, ce truc. C'est normal, c'est une technologie qui n'a pas encore été inventée. Ferme ta bouche et regarde. Papa ! T'excites pas, Jésus, c'est pas vraiment moi, c'est juste un hologramme. Comme Mélenchon ? Ne m'interromps pas, s'il te plaît. J'apprends par ton avocate que tu t'es encore mis dans la panade. Mais papa... Ne m'interromps pas, j'ai dit, c'est moi qui cause. Toi, tu m'écoutes, attentivement. Oui, papa. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas faire rien. Absolument rien. Tu m'attends là où tu es. Je viens te chercher, compris ? Oui, papa. Non, parce que je te connais. Après, ça va être des jérémiades non plus finir, des grands cris par-ci, des « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» par-là. Tu vas encore me faire ton cinéma. Alors, tu ne bouges pas dans 3 jours. Je te sors de ton trou, tu rentres à la maison et on n'en parle plus. Mais, et le bipède ? Laisse tomber le bipède, tu as assez fait de miracles comme ça. Tu vas finir par nous faire gauler. Oui, papa. Passe-moi ton avocate. Il veut vous parler. Ben, je vois bien. Je vous écoute, votre éternité. Bon, vous me le gardez à l'œil, d'accord ? Parce que je connais, moi, l'animal. Il est capable de se faire la malle dès que vous aurez le dos tourné. Ne vous inquiétez pas, votre sérénité. Je veillerai sur lui comme lui sur le feu. Ça veut rien dire, mais je vous fais confiance. D'ailleurs, j'ai pas vraiment le choix. Terminé. Oh yeah. John pour oui, chef. Parlez. Et pourquoi il répond pas à ce con ? Je passe sur la bonne fréquence. Chef, vous me recevez ? Je vous reçois parfaitement, en pleine figure. Mais comme vous êtes deux sur la ligne, je vous demanderai de vous identifier avant de parler. À vous. Comment ça, on est deux ? Je suis tout seul, moi. À vous. Oui, je sais. Excusez-moi, mais je suis aussi sur une autre ligne avec John. À vous. Comment ça avec John ? Mais c'est moi, John ! Non, pas du tout. Mais si, je vous assure. Pas la peine. Je peux nous convertir. Pas la peine ? Mais de quoi ? Vous êtes sûr que vous allez bien, chef ? Vous plaisantez ou quoi ? C'est du niveau de débutant à l'école de Radiopolis. C'est moi que vous traitez de débutant ? Attention, chef ! Ça s'entend. Bon, identifiez-vous avant de parler. Ce sera plus facile. Utilisons le code de l'aviation civile. Ben, si vous voulez. Mais pourquoi l'aviation ? Qui parle, là ? Identifiez-vous. Juliette Oscar, Hôtel November, à vous. Bien reçu. Ordre de descendre dans les égouts. Bien reçu, Oscar Unifor, India, Charlie, Hôtel Echo, Foxtrot. Je descends. J'y suis, chef. Je vais où ? Prenez sud-sud-est, azimut 32. Bien reçu. Belzébuth 22. Non, 32. Je répète, azimut 32. Alpha, Zulu, India, Mike, Uniform, Tango. Vous croyez que c'est le meilleur endroit pour danser le tango ? Non, T comme tango. Azimut 32. 22, bien reçu. Sacrebleu, écoutez un peu ce que je vous dis. Oh mais j'écoute enfin, vous énervez pas comme ça, chef. Ben, je m'énerve pas, c'est vous qui m'énervez. C'est qui cause d'abord ? Chef, je vous entends mal, là. Je crois qu'il n'y a plus de réseau, on se rappelle plus tard. Allô ? Allô ? Vous êtes là ? John, Nepomucène, vous m'entendez ? Mais laisse tomber, j'irai plus vite tout seul. Alors voyons, par où ? Je dirais... par là. Je me demande bien comment Nepo s'en sort de son côté. Kuznetsov pour oui, chef. Vous me recevez, chef ? Je vous reçois parfaitement, en pleine figure. Mais comme vous êtes deux sur la ligne, je vous demanderai de vous identifier avant de parler. À vous.
Négatif, chef. Y'a que moi ici. À vous. Oui, je sais. Excusez-moi, mais je suis aussi sur une autre ligne avec John. À vous. Ah, d'accord, je vois. Mais c'est pas un peu compliqué, tout ça? À vous. Non, pas du tout. Non, parce que sinon, je peux rappeler plus tard, hein. À vous. Pas la peine. Je peux mener deux conversations en simultané, j'ai l'habitude. En multiplex? Vous êtes sûr que c'est dans vos cordes? Vous plaisantez ou quoi? C'est du niveau débutant à l'école de Radiopolis. Je sais pas, j'y ai pas allé, moi, à l'école. Ça s'entend. Bon, identifiez-vous avant de parler, ce sera plus facile. Utilisons le code de l'aviation civile. D'accord, mais je suis pas en avion, là. C'est grave? Qui parle, là? Identifiez-vous. November Echo Papa Oscar, parlez. Bien reçu. Ordre de descendre dans les égouts. Ah bon? Mais c'est que j'y barbote déjà depuis un moment, en fait. Prenez sud-sud-est, azimut 32. C'est à gauche ou à droite? Non, 32. Je répète, azimut 32. Alpha, Zulu, India, Mike, Uniform, Tango. Non mais, j'y comprends rien à votre charia béa, moi. J'ai gauche ou droite de possible. Je fais quoi? Non, T comme Tango, azimut 32. Mais qu'est-ce que vous me racontez avec votre Tango, là? Je vais à gauche ou à droite? Mais sacrebleu, écoutez un peu ce que je vous dis. Mais je ne fais que ça. November Echo Papa Oscar, j'écoute. Ben, je m'énerve pas, c'est vous qui m'énervez. C'est qui cause d'abord? Allô? Attention, je vais passer dans un tunnel. On risque d'être coupé, chef. Allô? Allô? Vous êtes là? John, Nepomucène, vous m'entendez? Allô? Plus du tout, là. Tiens, une plaque sur un mur. Une plaque sur un mur qui ramasse des ordures. Voyons ce qui est écrit. Cœur des égouts à 500 mètres, pique-nique, jeu d'enfant. Ah ah. Oh. Bien joué, les gars. Mettez-moi le gaillard au frais. Sans fin. Bientôt de la compagnie, Aristide Cabillot est le seul et unique maître du monde. Et il va bien falloir vous faire à cette idée. Non, je pense que tout va bien pour Nepo. C'est pas une bleusaille, il est pas né de la dernière truie. Même que ça m'étonnerait pas qu'il trouve le réplicateur avant moi, fuité comme il est. Bon, c'est quand même pas très passant par ici, hein. Je demanderais bien mon chemin à quelqu'un, mais je me vois... Ah, mais si! Je vois quelqu'un là-bas, ça tombe bien. Hé, Blabla! Hé, monsieur! Monsieur! Bonjour, monsieur. Excusez-moi, mais est-ce que vous auriez une idée de l'endroit où je pourrais trouver? J'adore ce petit jeu, ça tombe comme un bourron marlotte. Mettez-le avec l'autre, les gars. On n'a pas fini la tournée. Prochainement, dans Comment devenir maître du monde. Entre Saint-Louis et Cornebeau, on y voit goutte dans ses égouts. Je me demande ce qui m'a pris d'acheter ce sous-marin de moche. Et qui est-ce qui va s'emparer du réplicateur digital avec ses gros doigts boutinés? Quand on joue au con avec Aristide Cabillot, c'est toujours lui qui gagne, faut le savoir. Et allez, manquez plus que ça, v'là-t-il pas que j'ai crevé une raquette. Oh là là, c'est bien ma veine. Avec quoi il s'évade les prisonniers d'habitude? Mais oui, les draps bien sûr. Mais non, c'est une couette que ça va pas marcher. C'était Comment devenir maître du monde en 10 leçons ou pas. Une série webophonique de Walter Proof, très librement adaptée de Cri de joie dans la masure. Écrit et réalisé par Walter Proof sur une musique de Phaéton Bougre. Avec Gaëtan, Laurent Doucet, Ruffin, Monsieur Obi, Justine Titgout, Pays, Jésus, Philgood, Dieu, Blast, John, Kenton, Chef Oui Chef, Phileas, Nepomucène, Kuznetsov, Mr. Jones, Aristide Cabillot, Ousbou.
À suivre.